Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous avons une grande star, donc je pense qu'il est mondialement connu, dans le monde entier tout simplement. Et je vais vous présenter aujourd'hui Butters. Bonjour à tous. Bonjour Butters. Donc déjà enchanté. Hein. Et que faites-vous ici en fait? Qu'est-ce que vous attirez dans ma boutique? Bah, en fait, moi je suis fan de Vin Diesel. Et mon rêve le plus fou c'était de lui ressembler. Et j'ai un petit peu les bras, un petit peu le corps, quoi. Il manque un petit peu les cheveux. Et du coup, bah, c'est pour ça que, vu votre grand professionnalisme, bah, j'ai décidé de venir dans votre boutique. Merci, c'est plutôt flatteur. Donc, écoute, installe-toi. Hein, tu me permets de te tutoyer. Mais oui, bien sûr, bah, tous mes amis, ils me tutoient. Et ils me font même des vaches rires. C'est l'habitude. Après, mes parents me tutoient. Mon prof me tutoie, et Cartman, Kelly et toute la clique me tutoient, alors toi tu peux me tutoyer aussi. Ok. Mais merci, Butters, de ta compréhension. Donc, installe-toi. Voilà. Et t'étais venu alors pour ressembler à ton idole Vin Diesel, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est un petit livre qui montre les différentes coupes. Ça là, je veux. Attends, laisse-moi te montrer, moi. Je veux celle-là. Ok. Mais écoute, on va prendre celle-là. Donc, c'est plutôt. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Il n'y a pas énormément de cheveux, on est bien d'accord. Oui, bah, c'est pour ça que j'en ai, parce que j'en ai trois actuellement. Et vu que je suis un petit peu blondiné sur les bords, bah, je veux qu'on prenne au sérieux. Et c'est pour ça que je veux la même coupe que Vin Diesel et ne pas ressembler à un surfeur. D'accord. Eh bien écoute, on va faire cette coupe-là. Donc, t'es bien installé. Tu sais ce que c'est un petit peu l'ASMR ou quoi? Bah, ce mère, c'est un truc bizarre où des gens ils font des trucs bizarres au micro et d'autres gens bizarres ils s'endorment. Ouais, c'est un petit peu ça. Oui, donc t'as déjà entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler, oui, non, c'est toi qui me ramènes tout le temps, tu veux que t'es l'ASMR. Oui, c'est vrai. Je reconnais. Donc, ah tiens, Butters, toi qui aimes bien le café, on va faire une petite surprise. Je t'ai pris un beau petit sachet de sucette au café. Oh merci, c'est super. Oh bah écoute, oh merci beaucoup. Ben de rien, ça fait plaisir. D'ailleurs, t'aimes pas les SMR, tu m'as dit. Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas fan. Après, je respecte les gens qui aiment bien, mais moi personnellement, ça peut pas être honnêteté. D'accord. Donc, écoute bien. Tu me dis ça te relaxe, ok? Bah, je veux bien faire un effort pour toi. Merci, t'es trop chaud. Ça te relaxe ou pas? Bah, je sais pas, tu fais des bruits bizarres avec des emballages de sucette. Ouais, ça me rappelle un petit peu quand ma maman fait la cuisine. Pourquoi? Tu manges du plastique ou quoi? Non, mais on va là quoi. Ok, tu sais pas quoi dire. C'est sympa? Non? Bon, ça relaxe un petit peu, c'est vrai. Bah tu vois. Et pour toi le paquet, hein, je te prie. Deux sucettes, mais je te les range juste après. Non, t'as plus d'intérêt. Sinon, ben, je vais laisser des commentaires sur ta vidéo, ça va faire mal. Pourquoi t'es si méchant? Ouais, je plaisante avec toi. Me fait peur. Alors, c'est plutôt relaxant? Ouais, ça va, j'ai bien aimé. Donc, allez reposer ça là. T'es bien installé, ça va? Tu te sens bien? Pas trop intimidé? Bon, un petit bidet, non, y'a personne. Faut croire que ta boutique, elle marche pas des masses. Merci, t'as toujours le mot pour me réconforter. Mais de rien. Bon. Allez, on va la faire ta coupe à la Vin Diesel là. Oui, que ce soit parce qu'après, moi, je vais avoir une copine et je suis pas sûr qu'elle soit là toute la soirée, alors. J'ai fait de la muscu toute la journée pour ressembler à mon idole. Et il me manque plus la coupe. Alors c'est pour ça que ben, je suis venu te voir, quoi. Allez, on va passer à la tondeuse. La ton quoi? La tondeuse. C'est qui fait des bruits derrière mon dos? C'est mon portable, il y a quelqu'un qui a dû m'envoyer un message.
Et toi aussi, t'as rendez-vous avec une copine ce soir? Non, pas pour l'instant. Petit coquin, va. Allez, tais-toi. Bon, allez, bouge plus, hein, ou je te coupe l'oreille. Hein. Ou même non, tu le feras pas. On parie. Tu le feras pas. Allez, je te coupe. Bouge plus. On peut voir maintenant. Attends, j'ai pas fini. Et puis, s'il te plaît, parle-moi avec un petit peu plus de douceur. Sinon, on va avoir du mal à relaxer. Pourquoi tu veux relaxer qui? Tu vois bien qu'il y a un micro. Là, il y a un petit micro juste devant toi. Au moins, je me pose la question, ça sert à quoi d'ailleurs ce micro? Bah, en fait, après, hein, parce que c'est pas quelque chose qui arrive souvent, je mettrai la vidéo sur Internet. Ouais. Oui, et tu seras encore plus une star que tu l'es actuellement. C'est possible ça, parce que je suis déjà mondialement connu, et comment je pourrais être plus connu que maintenant? Bah, tu me fais de la publicité, je t'en fais aussi, quoi. C'est sympa. Ouais, c'est un petit peu donnant-donnant quoi. C'est ça. Ne bouge pas. Voilà. Alors, t'as aimé ou pas? Ben oui et non, c'est une coupe de cheveux quoi, c'est tout. Oui, c'est vrai. Attends. Maintenant, parce que t'as les oreilles qui étaient un petit peu collées, donc pour enlever les cheveux qui étaient un petit peu à côté, j'ai eu un petit peu de mal. Alors le reste, je le fais au ciseau. Au ciseau, ça me coupe pas l'oreille, hein. Non, je rigole. Je finis au ciseau et après, tu peux y aller. Ouais, parce que là, l'heure qu'il est, elle va peut-être partir, Charline. Charline, elle s'appelle comme ça? Ouais, c'est plutôt sympa comme nom, non? Ouais, c'est sympa. Attends. On dirait ma mère qui me coupe les cheveux. Merci. Quand elle est pas trop énervée, parce qu'en ce moment elle m'en veut un peu, parce que je fais pas mal de bêtises à l'école. Bah ça, on a vu à la télé que tu faisais des bêtises. Mais t'es le plus gentil d'entre tous. D'entre quoi? Entre tous, Cartman, Kenny, Stan. Ah, t'as touché au micro. Fais attention, s'il te plaît. Ben, je suis désolé, là, je peux pas être parfait. C'est pas un reproche, je te demande juste de faire attention. Voilà. Ça va, t'as confiance? Bah oui, t'as un coiffeur quoi. Ouais, merci. Bon, attends, je voulais un tout petit peu ton oreille. Ouais, un petit peu, la déconne pas surtout. Va essayer. Voilà. Et d'ailleurs, on voit souvent sur. Enfin, du moins dans tes petites séries, on voit pas mal de fois, tu te fais souvent. Désolé du terme, engueuler par tes parents. C'est normal ou pas? Tu pourrais pas avoir un tout petit peu plus de. Un petit peu plus de répondants? Bah en fait, il m'engueule tout le temps, quoi que je fasse. Alors, de toute façon, au bout d'un moment, bah, je fais que des bêtises parce que quand j'en fais pas, bah, ils me punissent et quand j'en fais, ils me punissent aussi. Alors maintenant, je fais un petit peu comme je veux. Ouais, c'est pas bête. Je me pensais à fuguer, mais après, on se mange comment? Bah, Cartman, il mange tout.
C'est pas faux, déjà, va pas chez lui. Trouve pas le coup. C'est un goinfre. Va chez Kenny. Bah, Kenny, il a même pas assez à manger pour lui et ses parents. C'est pas faux. Mais viens chez moi. Bon, toi, t'es un vrai ami, toi. Mais oui. Fais ce que tu veux. Je te donne même un trousseau de clés si tu veux. Bon, t'es un véritable ami. Pour toi, on ferait tout. T'es le plus gentil. Mais t'en coupes des cheveux, j'ai pas étouffe non plus. Oui, je sais. Voilà, terminé. Tu veux te voir ou pas? Bah, dans l'idéal, oui, mais bien savoir à quoi je ressemble. Bah franchement, quand on regarde bien, mais vraiment, vraiment bien, il y a vraiment un petit air de Vin Diesel. C'est vrai? Il est vraiment très prononcé. T'as les mêmes bras, le même physique. Et c'est pour te dire, j'ai l'impression vraiment. Ah ouais, j'étais sculpté un corps et une coupe comme Vin Diesel. D'accord, mais je me suis sculpté tout seul. C'est vrai, excuse-moi. Allez, regarde-toi. Waouh, c'est vrai qu'il y a une ressemblance frappante. Tu vois, j'ai réussi à faire des miracles. Et en plus, j'ai vraiment plus de cheveux. Et avec mon corps athlétique, ça ressemble vraiment à Vin Diesel. Il y a vraiment une ressemblance frappante. Tu vois, tu vas plaire à. C'est Charline, c'est ça? C'est ça. Tu vas lui plaire, c'est ça? Mais t'as pas la voiture encore. Non mais je vais demander à mes parents s'ils peuvent pas me la passer. Mais de toute façon je pense que je vais me faire punir encore. Alors je vais la prendre, je vais demander à un Kenny, il a pas de voiture non plus. Je trouverai un moyen de toute façon. Bah, prends la mienne si tu veux, regarde. Voilà, et pour toi. Bon, t'es vraiment un pote, toi, y a pas à dire. T'es mon meilleur ami. Et je ne te perdrai pour rien au monde. Merci, allez, file maintenant et va draguer ta petite Charline. Et on se revoit très bientôt. Avec grand plaisir, merci Poto, t'es vraiment un ami. Et j'espère que tout se passera bien. J'espère que ça portera chance à la coupe de Vin Diesel. Il n'y a pas de raison. Allez, passe une bonne soirée, mon pote. Amuse-toi bien et raye pas la caisse. Ouais, t'inquiète pas, y'a pas de problème. Merci, Butters. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Station Douceur ASMR parce que bah, c'est génial quoi. Voilà. Sur ce, très bonne soirée à tous et amusez-vous bien.